Salut à tous les amis, ici Fant est de retour pour te jouer un mauvais tour sur Fantabob Games et bienvenue dès le matin. Je suis motivé. Je vais donner ça à un mec puisque j'en ai un en stock et je vais donner aussi ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mal de trucs intéressants. De machin. Ça, tiens, Cooper. Tiens, mon pote. Y'en a rien à foutre, c'est normal. Qui c'est qui m'aime pas trop? Chris m'aime pas trop. Chris, tiens. Ah, il est content. Une poupée pour faire croire qu'on dort. Ok, hop. Qu'est-ce que t'as à vendre? Une lime qui est sympa. Alors le fer, ça me servira pas puisque je peux me fournir directement à la source. Un bâton. Ok. Et toi? Une crowbar. Oh putain, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais j'ai pas les sous. Alors j'achète cette petite ficelle en fer. Lui, il veut que j'attire l'attention des gardes, ça n'arrivera pas, je ne veux pas me faire fouiller, je suis trop bien équipé. Je suis le badass de l'endroit. Regardez, j'ai mis du métal sur mes vêtements et j'ai une lame de rasoir à bien affûtée. Une lame de poing. Alors 87, 79, intelligence, ok, il faut que je remonte tout ça dans la journée. Parce que j'ai perdu beaucoup quand même de vie, j'ai 5, je peux aller jusqu'à 50. Putain, j'ai pas vu qui c'est qu'ils allaient fouiller. Bon, c'est pas grave. Pas grave du tout. C'est quoi? Rien à foutre. Mec, il fait du sport pendant l'appel. Ah putain. Hop. Fanta! Prison! Ok. Qui délire tout seul. Alors, la même chose. Il veut que je distrais les gardes. Non, ça rapporterait de la caillasse, mais non. Putain, j'aurais bien fait du sport. Kai est obsédé par le sport. Oui, je regarde juste où je suis, si je regarde la ventilation. Tout va bien, tout va bien. Ah, ils sont chauds aujourd'hui, les gardes. Il va falloir aller bosser. Il va falloir aller bosser et faire son quota. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire notre quota. Comme des enfants sages. Le fil, je vais le laisser là. Ça, je vais prendre ça. 2, 3, 4, 5. Je prends juste le sixième. Et allez. C'est la routine, quoi. Laisse-moi ça. Ouais, merci. Il a laissé. Hop, la dernière fois j'étais un petit peu emmerdé parce que j'étais pas assez intelligent pour faire un super truc, une super pelle de la mort qui tue qui pourra totalement nous servir. Donc il va falloir que j'y pense. Ok, le quota est fait, je me barre avec ça. Et on y va. Intelligence, tu la montes. Allez, à 90, tu serais peinard, quoi. T'as tout à l'heure pour le sport, pour monter ta force. Ce serait bien que je sois une journée tranquille sans être obligé de bouquiner, quoi, parce que ça devient trop con. 85. Ce mec I'm having too much fun, ok, il trompe tout ça. Oh putain, je suis en prison, je m'éclate. Ok, allez, 90. Cooper, je sais pas où t'es. Oh putain, il est là, il est accompagné. Il est accompagné, le Cooper. Qu'est-ce que je peux prendre d'intéressant? Rien d'intéressant. Faut que je pète la gueule à un garde. Vous savez ça. Tiens d'ailleurs, faut que j'étudie mes portes de sortie. Toi tu veux quoi? Non, il faut que je distraie un garde. Cooper, mon pote. Oh, au fait, j'ai un truc à te montrer. Ça je le donnerai à un pote, si tu veux bien. Un vrai. Gilles, tu veux être mon pote?
Yeah. C'est l'appel du midi. Pendant l'appel du midi, le Fanta, il est là. Il guette. Ça va ? Cooper, on fait la muscu. Ah, ah. Je te porte, mec. Alors, ils vont fouiller Trevor Edgar. Bon, ok, pas de problème. Non, il veut que je pète la gueule à un garde. Je choisis qui je pète la gueule et c'est quand je veux. Toi. Oh, des ficelles, j'en ai déjà. Ah, t'as vachement le choix, toi. Bon. Et toi, rien de passionnant. Alors, un escabeau, ça peut servir. Hein. Ça peut carrément servir. Mais je vais pas m'en servir. Par contre, direct muscu. J'en profite pendant qu'il guette pas. Je crois qu'on va les bouffer donc. Le mec qui fait du sport, rien à foutre. Pendant qu'il vérifie pas. Allez, allez, allez. Ah, c'est libre. C'est libre. J'en profite. Je me fatigue à mort. Ok, je suis fatigué. On va prendre une petite douche. Une douche ou péter la gueule à quelqu'un. Hein. Mika. C'est pas à toi que je veux péter la gueule. C'est un garde. C'est un garde, c'est un garde. Pour cela, j'ai besoin de quelque chose que j'ai ici, mais c'est pas grave, je vais la fabriquer, ça me fera de la place. Hop, ça je mets ça là. Un garde, qui veut? Tu botouffes pas, c'est Talc qui a exactement la même chose au cas où si je dois recommencer. J'avais plus de dentifrice, hein. Je vais le stocker ici. Ok, un garde. Au passage, faut que je trouve. Brosse à dents et bleach. Détergent, brosse à dents, détergent. Un garde. Alors, avant de péter la gueule à un garde, j'ai une clé rouge éventuellement et la clé de l'entrée. Mais si j'ai une clé rouge, je peux carrément me barrer là. Si je veux... Oh putain, je suis obligé de faire un trou... Ah non, si j'ai une pince, je peux me barrer là. Juste avec une pince devant. Intéressant. J'essaye, hein, j'essaye des trucs. Pas de garde. Ok, quoi ? Non. Officier Nick, Navy Nick, je crois qu'il nique rien du tout. Karl, il doit être balèze. Ah putain, c'est l'appel du dîner. Peut-être j'ai été sauvé par le gong avant de faire une connerie. Allez, on bouffe. Et on va affiner notre sport. Niveau intelligence, j'ai baissé, mais pas trop. Très bien, toi tu veux quoi? Faut que je pète la gueule à Lucas. Non, ça me dit rien, mec. Baston. Putain! Oui, ok, ok, tu vas flit, j'ai compris. Ils veulent tous. Oh, bah, ça tombe bien, ça. Non, t'as rien vu! 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 Bien, je voulais un garde à qui péter la gueule. Putain, Isa, t'as rien sur toi, quoi. Allez, c'est le moment du sport. En espérant qu'il oublie, hein. Ah putain, ça dégénère. C'est normal, hein, que mes cœurs ils sont pas au max. Je me suis pris, j'ai pris cher. Quand même. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Ah, regarde mes abdos. C'est bien ça. 96, 88, 29. C'est bon. Qui voulait quoi? C'est l'heure de faire les courses. Rich. Rich, vous et Edgar. Rich.
Edgar, c'est le sub of Bleach. Ah putain quoi? Ah merde! Ah bah si, il a pris, mais ça a bug. Tant pis, tant pis, tant pis. Tout pour chiffre pour Rich. Par contre, Rich, il va falloir arrêter de m'arnaquer. C'est Edgar ou Rich? Ah non, c'est Chris. Chris ou Rich? Ok, tout va bien. Lui, il veut une Trowel. Ça me va, je te la donne à Trowel. Dès que tu veux, j'en ai deux en stock. Putain, ça, c'est génial, ça. C'est baston sous la douche, quoi. Il y a personne qui me cherche, moi, par contre. Hein. Ok, c'est le temps libre du démon. C'est le temps libre du démon. C'est le moment de péter la gueule à un garde. Toi, tu veux quoi? Ok. Pourquoi je me mets là? Parce qu'il y a sûrement un garde qui va rentrer et je vais en profiter. Et j'espère que c'est un vilain garde. Il n'y a pas de caméra. Officier Steve, viens ici. Le gars, il a un QI de 112, quoi. Putain, mais il n'y a personne qui vient, quoi. C'est pas grave. Si personne veut venir, je vais faire les poches. Des mecs. Lui, il voulait ça. Je le pète contre un mur. Je le ramènerai tout à l'heure. Ok, rien de fantastique. Un garde. Oh là, reste là. Clé de l'entrée. Oh putain, c'est beau ça. J'espère qu'il se souviendra pas que je l'ai complètement dépouillé. Copie de la clé de l'entrée. Je garde tes fringues, mec. Je garde tes fringues. Je me suis pas fait choper. Je me suis pas fait choper. Je me cache ici. La copie de la clé de l'entrée, je la mets là. Au cas où, je reprends ça pour plus tard. Ça, je mets là. Ça, je mets là. Putain, j'aurais pu me barrer. J'aurais pu me barrer, les mecs. Oh, putain. Briquet, ça, on va faire fondre. Hop. Craft. Clé de l'entrée. Hop. Ah putain, ça craint. Ça craint, ça craint. Allez, pose-moi ça. Pose-moi ça. Allez, 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 Fanta, tu peux le faire. T'as une clé de l'entrée. Tu te barres. Tu te barres. Cours! Ah putain! C'était pas la bonne clé de l'entrée! La clé de l'entrée, c'est la clé de l'entrée ici, les mecs. Ici. Ici, et pas ailleurs. Eh ben écoutez, c'est un épisode fail et j'espère que je vous ai mis... je vous ai mis entre guillemets... un peu d'adrénaline, moi personnellement j'ai une bonne dose d'adrénaline, je vais recharger cette journée et on va faire un prochain épisode avec les mêmes tentatives aujourd'hui, donc ça va être booster un petit peu tout et trouver une clé et affiner un petit peu notre plan. Voilà, bise, c'était Pampa.